celui-là, celui-là. C'est vous qui étiez là? Non, là c'était là-bas. Et je vous assure que vous serez émerveillés. Madame, si je vous passe la parole. Merci, monsieur Lansine Camara. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour soutenir notre association. Et avant de commencer, je souhaiterais bonne fête à toutes les femmes de la planète. Donc, cette journée aujourd'hui, c'est une journée, comme dit monsieur Lansine, c'est le soleil du monde. Si nous avons initié la journée sur l'arbre à palabres, c'est pour vouloir réunir toutes les communautés autour de nous. Comme nous disons dans l'histoire, de l'arbre à palabres constitue un lieu privilégié au cœur du village, d'où vient se réunir le chef du village, le griot, les habitants, pour échanger sur la vie quotidienne, trouver des solutions aux problèmes qui se posent à chacun. Un espace social en somme, le sage apporte son éclairage, sa vision des choses, son esprit de conciliation où chaque individu apporte sa participation à l'échange, fait naître sa propre responsabilité devant la société à laquelle appartient et pose sa première pierre d'édifice de la communauté. L'arbre à palabres met l'éducation, l'insertion des enfants dans la vie familiale au cœur de son projet. Thème transmission et communication, messieurs Léry et madame Fatoumata Wamé-Warou qui ont fait le déplacement de la Bretagne vont développer sur ce thème-là. Donc moi, avant de commencer la journée, j'ai un petit mot de bienvenue. Excellence, monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée en France, et normalement, madame le maire de la vie associative, elle sera là. Mesdames et messieurs les présidents des associations, membres du comité d'organisation de cette édition de la Journée internationale de la femme, organisée par notre association FUDGA et ses partenaires associés de son réseau, des associations des femmes du monde d'Afrique et de la Guinée. Chers amis, mesdames et messieurs, il m'est agréable, au nom de notre association Femmes Unies pour le développement de la Guinée et de l'Afrique, et de mes partenaires associés, des présidents et présidentes des associations qui nous ont soutenus et qui nous ont accompagnés jusqu'aujourd'hui, d'adresser mes très vifs remerciements à une des nôtres qui est insultée ici des années durant dans le combat pour le respect de la femme africaine et guinéenne. Avant d'endosser les lourdes responsabilités ministérielles dans son pays, la République de Guinée, Hadja Nantou Konaté, Madame Chérif, ministre d'État à la présidence de la République de Guinée. Mes remerciements vont aussi à son Excellence Monsieur Amara Camara, ambassadeur de la République de Guinée. Il n'a jamais manqué de croire en nous, de nous soutenir, nos efforts, de participer à la vie associative de la communauté guinéenne de France. Qu'ici et au nom de toutes nos partenaires et des femmes qui ont voulu être là aujourd'hui pour s'exprimer comme elles le feront tout de suite à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cette date a été commémorée dans tous les pays du monde, s'impose à la mémoire collective en ce 21e siècle, le combat mené par la femme à côté de son mari, de son fils, de son concitoyen, pour abattre toutes les différences de genre qui opposent les deux êtres pour construire un monde juste, d'égalité sociale, de paix
santé, de bonheur collectif, individuel. Pour nos femmes africaines, femmes guinéennes, c'est idéal. Un monde meilleur ne sera réel que lorsque toutes les bonnes volontés humaines considéreront que ce qui divise est infiniment plus insignifiant que ce qui nous unit. Nous devons être unis face à nos différences, qui ne sauraient être des handicaps insurmontables pour le progrès local, régional, départemental, national, international. Mais nous, femmes d'Afrique et de Guinée, avons foi en l'homme. Donc, l'objectif dans l'existence consiste à réunir les conditions de savoir-être et savoir-faire. Nous restons persuadés que la coopération internationale et la solidarité humaine et la tolérance demeurent dans des valeurs dont il nous faut nous approprier pour initier, apporter des réalités projets s'inscrit dans le développement durable. Nous adressons nos profondes gratitudes à toutes les organisations, à tous les partenaires qui œuvrent avec nous à travers des projets destinés aux populations du Sud. Merci et à vous, honorables invités. Merci à vous, chers amis d'Afrique ailleurs et chers compatriotes. Je vous invite du fond du cœur à avoir une pensée pour les victimes de l'injustice, intolérance de la différence et mes encouragements à ceux et celles qui luttent depuis l'aube de temps pour un lendemain meilleur. Je pense aux victimes de tout ce qui s'est passé en Guinée et nos pensées vont aussi à Madame Aissatou Boirou. Cette journée, nous l'avons dédiée au nom de Madame Boirou. Donc, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la journée pour la Journée internationale de la femme et je vous remercie. Madame Fille, magnifique. Merci. Madame Si, présidente de FEGA, c'est la Sénégalaise, chers députés. Je suis peiné de voir que nous n'avons pas réussi à faire une seule et unique manifestation en hommage à nos femmes. Vous savez qu'il y a deux manifestations aujourd'hui. Nous avons tout fait pour convaincre les uns et les autres pour n'avoir qu'une seule manifestation. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et j'en suis vraiment navré. Parce que je connais Madame Si, nous avons été associés, nous, à cette manifestation depuis des mois. Je sais tout le mal qu'elle s'est donné pour le faire. Il aurait été simple pour l'ensemble de nos compatriotes de l'accompagner. Ceci étant la vie ainsi faite, la diversité d'opinions, nous devons les respecter, mais il s'agit ici de désunion qui est difficilement pardonnable. Chers invités, parler de la femme, nous avons eu la chance, nous, d'être un pays où la femme a été honorée avant l'indépendance. Nous avons eu des militantes qui sont mortes pour que la Guinée vive, qui avaient des opinions différentes de leur mari à l'époque, et ça leur a coûté la vie. Parmi celles-ci, il y a Malia Camara, qui a été une des héroïnes de notre indépendance que nous avons acquise en 1958. Cette indépendance acquise, pour ceux qui s'en souviennent, le premier gouvernement de la Guinée comportait déjà des femmes. En cela, je peux citer Mafori Bangoura, le faux Camara, qui ont été des pionniers dans ce domaine-là. Cette Guinée, qui a été ouverte aussi sur l'ensemble de l'Afrique, s'est battue pour créer la panafricaine des femmes que une Guinéenne a présidée à Alger. Notre grand honneur aussi vient du fait que la première femme au monde à avoir présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies était une Guinéenne.
Jean-Martin Cissé. Ceci doit être aussi connu. C'est pour vous dire le parcours de ce pays, ce qui a été fait pour la femme, avec la femme, et que ce combat continue. Pour la génération à laquelle j'appartiens, quand on faisait des études ici à l'université, nous avions un quart de femmes pour trois quarts d'hommes. Aujourd'hui, il y a trois quarts de femmes pour un quart d'hommes. Ça veut dire que le pays, l'humanité, est en train de changer de nature, que l'humanité est en train de changer de comportement vis-à-vis de la femme. La femme elle-même y est beaucoup. C'est la femme qui fait l'éducation à la maison, c'est la femme qui m'a montré à moi ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire. Et maintenant, j'ai appris que tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'on m'a dit de ne pas faire, j'étais en droit et il fallait que je le fasse pour aider ma femme à la maison parce qu'elle travaille autant que moi. Cette femme qui va au travail, cette femme qui va au travail comme qui a les mêmes responsabilités qu'un homme, on ne peut pas lui demander d'être femme, d'être mère, d'être épouse, d'être femme de ménage. Donc il faut que ces tâches-là soient partagées avec elle. C'est ce qui va contribuer à ce qu'on avait appelé à l'époque l'émancipation, la femme africaine d'émancipation est dépassée. Les combats continuent dans les zones rurales chez nous et nous nous y attelons. Et nous sommes heureux d'être avec vous, malheureux qu'on ne soit pas ensemble, tous ensemble, que vive la femme tout court, qu'elle soit africaine, européenne, asiatique, arabe ou autre. Merci et bonne manifestation. Merci. Je vous l'avais dit, son excellence, quand il parle, c'est à la fois la sagesse, la rigueur et l'espérance. Et je sais que quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, nous serons de mieux en mieux gouvernés. Nous avons la chance, grâce à nos femmes, jusqu'ici, compte tenu de tout ce qui peut se passer dans certains pays africains, c'est grâce aux femmes guinéennes que jusqu'ici, la paix règne. C'est grâce aux femmes guinéennes que jusqu'ici, l'unité nationale est consolidée. Et ce n'est pas de l'humour simple quand je dis qu'un jour, je souhaite, comme au Libéria, qu'une femme guinéenne soit présidente de la République. Applaudissez la future présidente femme de la République de Guinée. Nous nous battrons pour ça. Voilà, c'est très bien. Les ancêtres ont entendu, c'est pourquoi il y a eu cette belle petite musique. Alors, nous allons passer, madame, avec votre permission, c'est madame Dranel, une autre lumière. Alors là, quand elle aussi, elle va parler à la fois de la femme guinéenne et de la femme africaine, vous verrez qu'une fois de plus, nous allons être émerveillés. Madame, allez-y. Merci, monsieur le président. Excellence, monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée en France. Excellence, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres d'association, mesdames et messieurs, honorables invités, chers frères et sœurs. Avant de commencer mon propos, permettez-moi de solliciter de votre part une minute de silence en souvenir de tous nos compatriotes disparus récemment dans notre pays ou ailleurs. Je vous remercie. Merci. Au nom de toutes les femmes, nous vous souhaitons la bienvenue
Et c'est avec une grande joie que nous nous adressons à vous ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme. Ce jour n'est pas seulement un lieu où les femmes dressent leur liste de revendications. C'est plutôt pour la femme un symbole d'autonomisation, de libération morale et psychologique. Nous aurons voulu rendre hommage à une de nos sœurs, je pense que tu en as parlé déjà, pour son engagement, pour son militantisme, pour sa fidélité au service de notre pays. J'ai nommé ici Madame Nantenin Konaté, connue à Paris sous le nom de Nantou Chérif. Ce sont les femmes qui savent éduquer et transmettre les valeurs. Sous l'arbre à palabre, les aînés se servent souvent des conseils avisés des femmes pour conduire les affaires de la communauté. Nous sommes sûrs que les femmes attendent de ces rencontres un espace d'échange, de fraternité, de solidarité en vue de promouvoir la culture et contribuer efficacement au développement de notre pays. Nous espérons que les autorités, c'est l'ambassadeur, vous serez le relais et transmettrez nos projets et propositions au gouvernement pour une participation des femmes de la diaspora au développement de la Guinée. Toutes les associations réunies ici se félicitent de la tenue de la Journée internationale de la femme. Rendez-vous qui offre l'opportunité aux femmes de se rencontrer et d'échanger sur les sujets qui assurent leur rayonnement socio-économique. Occasion pour certaines d'entre elles de les diffuser aux quatre coins du monde dans les conditions et circonstances les plus diverses et parfois au prix de multiples sacrifices. À ces femmes venues des multiples régions de notre pays et d'ailleurs, je veux simplement présenter nos encouragements. Ce rendez-vous consacre la femme, car plus que jamais, le combat avec qu'elle mène les femmes sont sur le point de s'affranchir de plus en plus du complexe d'infériorité pour mettre un terme aux violences sexistes et acquérir des droits. Mesdames et messieurs, l'organisation tous les ans de la Journée internationale de la femme s'inscrit dans le cadre d'une dynamique positive qu'il est important de saluer et de renouveler tous les ans. Je ne voudrais pas être trop longue. Nous souhaitons une très belle journée et un franc succès à cette rencontre. Que les femmes prennent l'initiative chaque année de se réunir avec nos hommes et afin d'échanger et de trouver des solutions à la brimade, aux brimades, je dirais, aux violences faites aux femmes. Vive la paix en Guinée. Vive la paix en Guinée. Vive les femmes et bonne journée et bonne fête. Bravo, Madame Dramé. Je savais que quand vous parlerez, que nous allons partir une fois de plus rassurés. Vous savez, la vérité sort toujours de la bouche des femmes, particulièrement des femmes africaines. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut continuer à les remercier. D'abord, si nous sommes tous ici, c'est parce que les femmes africaines se sont données toutes les peines du monde. Elles nous ont éduquées.
elles ont appris la rigueur, l'honnêteté. Ah, mères africaines, on vous applaudit. Applaudissez les mères africaines. Et les ancêtres ont entendu. Maintenant, madame Martine Tal, une autre lumière. Ah, madame Martine Tal, vous savez, au Festival mondial des arts nègres à Dakar, les femmes ont rayonné et madame Martine Tal y est pour quelque chose dans le grand débat. Le débat d'idées, quand elle prenait la parole, même le président Wade applaudissait. Madame Martine Tal, nous sommes suspendus à vos magnifiques lèvres. Bonjour. Bon, en fait, je pense qu'il nous confond. Hein. Ça devrait être ma jumelle, parce que moi, je suis très jeune. Mais bon, je vais d'abord remercier son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui a bien voulu nous recevoir, Madame la Présidente Aïssa Toussi et moi, pour organiser cette journée. Mais je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'il vient de dire, à savoir qu'il est très peiné. Mais pour moi, quand on est divisé pour construire, de toutes les façons, c'est le résultat qui compte. Et puis, vous savez, avec les femmes, on finit toujours par avoir ce qu'on veut. Pour ajouter à ce que dit donc, notre frère Lanciné, moi, pour moi, c'est une journée arc-en-ciel. Voilà, vu la diversité, vu tout ce que les femmes apportent pour le bien-être, parce que c'est notre rôle, puisque nous sommes des mamans, nous sommes des épouses, nous sommes des sœurs, et nous sommes tous unis pour la bonne cause. Je vais donc vous souhaiter une excellente journée, parce que le débat va être très, 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 comment on dit, constructif, puisque c'est un arbre à palabres positif. Nous allons partir d'ici, enrichis de ce que nous allons avoir des unes et des autres. Je vais remercier toutes les présidentes d'associations et nos frères qui sont là avec nous pour partager cette journée. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée, une journée arc-en-ciel. Voilà. Avant de rentrer dans le vif sujet, je voudrais saluer l'arrivée d'une ancienne mère du 10e qui s'occupait du mariage, qui vient de rentrer, Mademoiselle Diverly Hélène. Mademoiselle Hélène, bienvenue. Elle est à la retraite, mais elle a tenu tout et pour qu'elle vienne. Merci d'être là. Bon, nous allons entrer, comme elle le dit si bien, dans le vif du sujet. Nous allons faire intervenir un universitaire, quelqu'un qui a le savoir, et il va nous distribuer ce savoir. C'est M. Christian Leray, qui est le... Oui. Et Mme Fatmata Warou, qui est, elle, présidente de MATA. Si ces deux sympathiques personnes qui vont faire de cette journée la journée la mieux réussie, la journée la plus prometteuse. Et quand l'université se mêle, tout va bien. Monsieur l'universitaire, où est-ce qu'il est ? Aïe, aïe. Les universitaires prennent leur temps et ils ont raison. Ils ont raison. Alors, monsieur l'universitaire, vous allez essayer de distribuer le savoir, d'expliquer ce que c'est que pour vous. Voilà. Alors, vous voyez, l'université s'est déplacée de la Bretagne. On applaudit. L'université s'est déplacée de Bretagne pour être ici, parmi nous. Alors là, je crois que nous allons être réellement comblés. Alors, monsieur l'universitaire, pour vous, ce que c'est que la journée ? Alors, on m'a demandé d'intervenir sur, sur l'arbre à palabres. C'est important qu'on réfléchisse un petit peu ensemble, c'est le rôle des universitaires, hein, sur ce qu'est l'arbre à palabres et sur ce qu'est l'arbre. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, bon, l'arbre à palabres, il prend... Bien sûr, chacun le sait, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit dans votre introduction, hein, prend ses racines sur les terres africaines. C'est donc, comme nous disons, nous, enseignants-chercheurs, un concept africain.
Et il faut bien le souligner. C'est important parce que vous allez voir qu'il a beaucoup de succès actuellement, qu'on l'emploie beaucoup. Et nous qui l'avons démarré à Rennes il y a quelques années avec Fatimata, nous le voyons essaimer un peu partout. Hein. Dernièrement, même au Portugal, grâce par le biais d'une association internationale de recherche sur les histoires de vie dont je fais partie. Et quand j'avais fait une communication, ben, il y avait là aussi quelqu'un dans la salle qui a su faire essaimer ça un petit peu au Portugal, et notamment à l'université de Coimbra. Non seulement le professeur, l'universitaire, vient une fois de plus de parler à la fois de l'utilité du sérieux, je dirais même de la foi que nous avons dans chaque femme. Chaque femme est un arbre. Chaque femme ne peut qu'engendrer. Chaque femme, mais vous savez que quand on parle de l'arbre à palabre, toutes les justices ancestrales se passaient sous l'arbre à palabre. Toutes les vérités venaient du côté de l'arbre à palabre. Toutes les, je dirais à la limite, la volonté de vivre ensemble, de grandir ensemble. Tout cela se dessinait sous l'arbre à palabre. Avant donc de passer la parole à Mme Fatima, qui est une femme nigérienne et panafricaine, je dois saluer la présence des femmes comme Mme Touré, qu'il faut applaudir. Hadja, Mme Touré. Je vous demande d'applaudir la présence de la... Alors là, celle-là, elle craint. Ça, c'est Marie-Laure. Marie-Laure. La gentille Marie-Laure. Voilà, même les anciens sont d'accord. Hein. Et naturellement, l'entourage des membres de l'ambassade de Guinée, j'ai même oublié de les saluer. On les salue. Oui. Quand vous allez prendre le passeport, quand vous allez faire le visa, ça va tellement vite. Madame Paris, on vous applaudit. Madame Paris. Vous avez des hommes comme l'autre là, dans une équeta, robuste, combattant. On applaudit. Et les gens qui accompagnent Madame Laure, un autre artiste là-bas, ça c'est à la fois le blanc africain. Si vous voulez vous lever, qu'on vous applaudit. On applaudit. Alors, celle qui a... Écoutez, je vous fais une confidence. Les femmes sont tellement ponctuelles, dynamiques. Elle était là ce matin. Levez-vous, qu'on vous applaudisse. La première, oui. Ah, levez-vous. Oui. Elle a été l'une des... Oui. Ah, voilà, les anciens sont d'accord. Elle a été l'une des premières dames à se présenter ici ce matin, à décorer la salle, à aider Madame Si. Eh bien, il faut l'applaudir. La femme du Niger a une association. Elle est mieux placée que moi pour en parler. Voilà. Madame la Présidente. Monsieur Lansiné, vous venez de dire qu'elle était la première. Vous ne savez pas que c'est la secrétaire générale de FUDGA, Madame Baliaya. Oh. Et la vice-présidente qui est là, Madame Bardé Dienabou. Dienabou, voilà, donc c'est pour vous dire que c'était utile qu'elle soit là très tôt. Très bien. Alors, j'ai la parole. Merci. Bon, merci beaucoup. Alors, pour commencer, ben, je remercie l'association FUDGA des femmes guinéennes. Et c'est ce que je disais, les femmes de Guinée sont nos cousines de plaisanterie. Donc, vous avez une cousine en face de vous. Quand Christian m'a demandé d'intervenir dans cette association pour la journée de la femme, j'étais très heureuse parce que je me disais que j'allais rencontrer encore d'autres cousines. Moi, j'ai créé une association en 2003 et plus le temps passait, plus on réfléchissait sur les objectifs et nous sommes arrivés aujourd'hui à promouvoir le développement par la promotion de la femme africaine.
Nous travaillons aujourd'hui avec plusieurs associations du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire. Et quand Christian m'a demandé d'intervenir ici, j'ai dit que c'est l'occasion peut-être de nous associer ensemble pour travailler. Puisque l'association Matin travaille beaucoup sur la question de la promotion politique de la femme nigérienne et africaine avec d'autres associations, mais beaucoup sur la fistule, la lutte contre l'excision, le mariage précoce et surtout la fistule qui est une des conséquences. Tout récemment, on était au Niger en mission avec des chirurgiens français et des chirurgiens africains. Il y a eu une mutualisation des compétences justement pour voir comment est-ce qu'on pourra éradiquer ce problème qui handicape les femmes. Parce qu'on parle de démocratie. On ne peut pas développer une démocratie, une vraie démocratie ou une citoyenneté tant que la plupart de nos femmes croupissent à l'hôpital, abandonnées, quelquefois sans lien social. Donc voilà les objectifs sur lesquels nous travaillons. Alors, pour venir à l'arbre à palabre, puisque c'est ça l'objectif. Alors, quand j'ai fait mes études, l'association Mata, si vous voulez, c'est des, toutes les actions que nous menons sont des réponses aux questions que j'avais, aux questions auxquelles je me suis confrontée quand je menais mes recherches sur la condition féminine nigérienne. Mais l'arbre à palabre, au départ, quand j'avais fini mes études, j'étais très jeune, étudiante, et je ne trouvais pas de boulot. Alors, je savais que j'avais pris des cours d'interculturalité. C'est tout le cours qui me réconciliait avec moi-même. J'allais à la fac, j'apprenais des choses. Mais ce qui m'avait réconcilié avec moi-même, c'était quand j'avais rencontré Christian Leray dans l'interculturalité. L'interculturalité, vous savez, nous en Afrique, on est tous des frères et sœurs. Il n'y a pas de Guinéen, il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas... C'est mon frère. Donc, je me suis retrouvée là-dedans. Et je n'arrivais pas à trouver du travail. Alors, je me suis dit, écoutez, nous avons, nous aussi, une culture, des coutumes. Pourquoi ne pas valoriser ce que nous savons faire? Et ce que nous savons faire, c'était quoi? Moi, ce que j'avais imaginé, donc j'ai écrit un projet, puisque j'ai passé un concours où j'avais fait des audits, et ça, ça m'a donné des compétences. J'ai commencé à écrire un projet d'arbre à palabre en direction des migrants. Et c'est les migrants âgés. Mais je fais de l'intergénérationnel. Et je fais aussi de l'interculturalité, parce qu'on ne peut pas développer un projet uniquement pour les migrants. Ma formation, c'est, au départ, ce n'était pas de m'occuper des immigrés, c'était de m'occuper de tout le monde. Donc, j'ai toujours cherché à développer cette interculturalité. Et aussi, comment j'avais créé l'association Mata et que j'allais... Je faisais l'aller-retour entre la France et le Niger pour aider les femmes en grande précarité au Niger. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire alors un projet qui sera en lien avec ma double culture, donc nigérienne et française, puisque je suis française. Comment est-ce que je pouvais arriver à valoriser aussi non seulement ma culture d'origine, mais aussi mes diplômes? Donc, concilier les deux. Alors, en écrivant donc ce projet d'arbre à palabre, ce que je voulais, c'est valoriser la culture de chaque personne. Parce que chaque personne est porteuse de richesses et des richesses à partager. Donc, dans l'arbre à palabre, si vous voulez, c'est des personnes qui viennent donc, toutes les semaines, de différentes cultures, il y a des Afghans, des Turcs, des Marocains, l'Afrique noire, donc tout le monde. Et on discutait sur un thème. Et par rapport à la transmission, je dirais que de,
de la transmission personnelle, on passe de la transmission citoyenne. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire tout ce que les gens apportaient, les chants, les danses, les contes, les berceuses, ben, sont des choses à transmettre. Donc c'est ça la transmission, si vous voulez, citoyenne. C'est pas venir danser ou palabrer. C'était pas ça que je voulais chercher. Je voulais montrer que nous pouvons apporter quelque chose, nous aussi, à cette société, parce que nous avons eu et qui est ancré en nous et qui est en notre âme. Alors, quand donc j'ai eu la chance d'être dans une association interculturelle, puisque j'avais négocié un poste contre projet. Donc, j'ai remis le projet à l'association qui a plus de 70 et j'avais demandé un poste. Donc ce projet a commencé en 2008. Sur ce projet interculturel, donc, j'ai proposé à Christian Leray, que j'ai rencontré au cours de convergence culturelle, d'animer un arbre à palabres, mémoire, récit et identité culturelle. Christian en parlera après, s'il veut. Sinon, j'ai mis encore un autre arbre à palabres, parents, grands-parents, petits-enfants et professionnels de la crèche. C'est là où c'est intéressant, puisque on organise avec les professionnels de la crèche, les mamans, de tous les continents du monde, on essaie de prendre des grand-mères, des mamans, et puis on essaie de travailler sur l'éducation dans les différentes cultures, ou comment on essaie de bercer un enfant qui pleure dans les différentes cultures. C'est là où, et comment est-ce que aussi le massage des enfants dans les différentes cultures, toutes ces valeurs africaines importantes que j'ai reçues, et je voulais, si vous voulez, valoriser ça. Et c'est pas que moi toute seule, je me suis rendu compte que toute cette diversité culturelle doit être visible, mais aussi doit s'épanouir sous cet arbre à palabres, parce que c'est en s'épanouissant qu'on peut on peut vivre pleinement sa vie de citoyen participer à la construction de son quartier, comme elle fait à Issatou, participer à la construction de sa vie, ce que je fais dans la ville de Rennes, dans la mesure où il y a l'arbre à palabre dans tous les quartiers, une fois par mois, les gens de tout le monde entier se retrouvent sur un thème et on discute, ou sur des questions qui posent problème. Christian a parlé de la question de l'esclavage. La question de l'esclavage, dès qu'on l'aborde, ça déborde de partout, les gens se relèvent là. Mais l'arbre à palabres, dans la mesure où cette symbolique est la symbolique de la paix et de la réconciliation, quand les gens se retrouvent avec la question de l'esclavage, ben les propos sont mesurés et on n'essaie pas d'incriminer l'un ou l'autre, mais de se parler pour mieux vivre et avancer. Alors, à se construire, lorsque ces repères font défaut chez l'enfant, parfois certains s'égarent et peuvent même sombrer dans la délinquance. Donc c'est important, autour de l'arbre à palabres, aussi de transmettre certaines valeurs. Je ne dis pas tout, parce que le contexte dans lequel moi j'ai vécu n'est pas le même que mes enfants. On ne peut pas tout non plus transmettre. Mais il y a certaines valeurs familiales qui sont ancrées en nous et qui sont indispensables pour une identité et pour que l'enfant vive mieux sa vie de citoyen, ben, il faut le transmettre.
Et aussi, nous nous sommes rendus compte que les divers témoignages sous l'arbre à Pala aident les participants aussi à co-construire des projets communs dans un espace de démocratie et participation citoyenne. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on fait, on est là pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Bravo. Alors, les ancêtres sont avec nous. Alors, Madame Marie Laure, qui est un monument de la création, elle invente, elle innove. Madame, vous êtes demandée à la tribune, gracieusement, naturellement, élégamment, naturellement. La femme magnifique. Et regardez, applaudissez-la. Merci. Écoutez, je suis tout à fait émue par cet hommage, mais je rends un hommage d'abord à toutes mes femmes, car je suis mamie Africa, je suis une doyenne. J'ai trois quarts de siècle. Donc j'ai eu le bonheur de travailler à l'UNESCO dans cette grande maison de la culture qu'est l'UNESCO. Nous avons été avec M. Amara Camara, nous étions collègues, nous avons travaillé vraiment dans cette maison de la culture. Merci Monsieur l'ambassadeur de vous retrouver là. Confidence que je dois vous faire aussi, je suis née en Guinée en 1936 d'un père sénégalais cheminot. Ensuite, j'ai enchaîné avec papa au Mali et ensuite Sénégal. Donc si je veux faire un jeu de mots, je dis que je suis une fédération du Mali et je souhaiterais que nous retrouvions cette unité africaine tant souhaitée. Maintenant, je vais me lever pour lancer mon appel de l'île de Gorée, dont je suis originaire, et de Saint-Louis du Sénégal, jumelée avec l'île. Alors, je suis évidemment bretonne, puisque j'ai fait mes études au pensionnat du Sacré-Cœur à Nantes, et que tous mes amis sont bretons. Je salue ici la Bretagne. Je salue ici la Bretagne et mes amis bretons. Nantes n'a pas de secret pour moi. J'y connais les moindres coins de Nantes, car j'y étais dans les années 50. Et nous avons un pont Léopold Sédar Senghor qui était érigé à Nantes. Nous avons un deuxième cousin qui est maire de Saint-Briac, Auguste Senghor, qui est aussi maire de Saint-Briac. Donc vraiment, la Bretagne est notre famille. Donc je vais lancer mon appel de l'île de Gorée. Gorée, 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 par trois fois je te nomme. Ils sont partis par voie de mer, laissant leur mère sans voix, V-O-I-X, sans voix, V-O-I-E. Je salue le courage de toutes ces mères courage qui, à travers le monde, aspirent à une politique de paix et d'amour. Donc voici donc toutes ces femmes qui sont là, sont des femmes admirables, et chacune à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons pour que ce monde évolue. Alors on parle de l'arbre à palabres, mais il est évident que l'arbre à palabres, c'est un arbre où ce sont les hommes qui palabrent. Malheureusement, les femmes, nous sommes au cerveau, nous sommes au travail, nous portons, nous sommes des femmes porteuses de sacs, nous alimentons nos gosses, nous nourrissons nos enfants, nous voulons pour nos enfants une éducation à part entière. Donc je dis plus d'enfants soldats, plus de femmes excisées, plus de femmes meurtries, plus de femmes. Donc je lance un appel officiel à cette tribune pour que toutes nos femmes soient respectées, tous âges confondus, du haut de la pyramide au bas. Il n'y a pas de gens riches ni de gens pauvres, une fraternité humaine de partage, d'amour et de sérénité. Merci mesdames, merci monsieur l'ambassadeur, merci. Je vous l'avais dit, mais pas Marie-Laure qui veut. Elle a brillé à l'UNESCO. Quand elle vient dans les grands débats, elle prend la parole, elle fait des expositions, elle parle du masque, on sent qu'elle fait le trait d'union entre la jeunesse et naturellement les vieux. C'est elle qui est l'espèce de trait d'union. On l'applaudit une fois de plus. Pendant qu'il me soit permis aussi de citer mon frère blanc, mais qui est un noir, il s'appelle Marcel Ramon. Donc est-ce qu'il peut venir à mes côtés, car il est vraiment un bâtisseur, c'est un homme de terrain, qui a offert au monde et à l'Afrique et à Haïti. Donc monsieur Marcel Ramon, j'aimerais bien que vous veniez aussi à nos côtés pour nous, voilà, vraiment merci à vous d'exister. Donc il est de tous les combats. Voilà, ça c'est le blanc africain. Magnifique. Est-ce qu'il peut dire quelque chose? Venez, monsieur, venez. Alors, avant que l'Africain blanc ne dise quelques mots, je demande rapidement à madame la conseillère d'association du 10e arrondissement chargée du commerce et de l'artisanat
Madame comment? Oui. Voilà, Madame Hélène, vous allez vous préparer juste après le français, l'Africain blanc. Vous allez vous préparer pour prendre la parole et ensuite ce sera la pause. C'est-à-dire que vous allez vous, non seulement vous allez déjeuner. Bonjour à tous, pour le respect, Monsieur l'Ambassadeur. Écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous. J'attends avec impatience les responsables de l'association IPCO, dont je suis vice-président. IPCO, c'est une association Communauté Noire Internationale, International Black Community. Et donc l'objectif de cette association, c'est de développer beaucoup de projets sur le continent africain. Développer, par exemple, tout le secteur de l'artisanat par la créativité, l'innovation et le design. Bon, il y a des marchés énormes à prendre, que ce soit en Afrique, mais également en Europe, aux États-Unis et tout. Donc, l'idée est justement de dynamiser cet artisanat africain. Le dynamiser en tenant compte des attentes du marché international et en essayant de partir véritablement de la culture, du savoir-faire, des matières, des matériaux. Donc, moi, j'ai parcouru le continent africain, enfin, en particulier l'Afrique francophone, depuis une vingtaine d'années, tous les pays d'Afrique francophone. J'ai fait des missions pour la communauté européenne, l'ONUDI, l'UNESCO, la francophonie. Donc, j'ai une petite expérience dans ce domaine. Et en tant que designer international, où j'ai fait énormément de choses en Europe, même au Japon, donc j'essaie d'apporter ma petite expérience pour le continent africain, pour le développement. Donc, entre autres, j'ai mis au point, avec les partenaires, des lampes solaires africaines. L'idée, c'est de partir de composants très élaborés que l'on trouve d'une part en Chine ou en Corée du Sud, mais de faire en sorte que cette production soit faite à 100% sur le continent africain. Voilà, ça c'est un exemple. Et bien, il y en a d'autres. J'ai créé les chambres de tendance africaine, j'ai créé une cinquantaine de modèles, j'ai créé beaucoup de choses. Et donc, on peut effectivement dynamiser une production locale dans différents pays avec des spécificités. Voilà, ben, je répondrai à vos questions si vous en avez. Je vous remercie. Voilà, l'Africain blanc a bien parlé. Alors, la conseillère en question, Madame Hélène. Merci. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Je suis plutôt émue, je veux dire, de prendre la parole. Ce n'était pas prévu. Je suis élue à la mairie du 10e et nous sommes dans le 10e arrondissement, donc c'est un plaisir supplémentaire pour nous. Et moi, je m'occupe de commerce et d'artisanat, donc ça n'a rien à voir avec le thème de la journée. Mais la ville de Paris et la mairie du 10e ont implanté des conseils de la jeunesse, des conseils des seniors, il y en a dans le 10e, qui fonctionne justement sur la base du volontariat. Les jeunes se regroupent, ceux qui veulent, se réunissent assez régulièrement, font des projets avec un petit budget donné par la collectivité locale. Le conseil des seniors, eux, sont beaucoup plus structurés et plus assidus, puisqu'ils ont plus de temps, évidemment, que les jeunes du conseil de la jeunesse. Ils sont très dynamiques, ils s'occupent de se former, de faire des visites de monuments, d'institutions, de présenter des revendications aussi, bien sûr, sur leur situation de citoyen dans la ville. Ils recherchent à faire du sport, à faire des activités culturelles. Ils nous alertent quand les transports, par exemple, ou l'accessibilité ne sont pas au rendez-vous, quand ils se déplacent. Et ils sont très actifs. Par contre, la question qu'on se pose, c'est comment faire communiquer les générations. Et ça, c'est, je pense, la difficulté des sociétés occidentales actuelles. Et il y aurait à se tourner vers les sociétés du continent africain et peut-être du continent asiatique pour en tirer des leçons. Si les tendances, les réussites que vous avez chez vous continuent, perdurent, on est, nous, sociétés occidentales, enfin en tout cas à Paris, en France, un monde clivé par des tranches d'âge, clivé par des statuts sociaux, clivé par les retraités, les actifs. Or, en fait, les retraités, on s'aperçoit qu'ils offrent des services à toutes sortes de personnes, à leurs familles, à leurs parents, à leurs enfants, aux associations de quartier. Ils ont une deuxième vie, en fait, au moins aussi active que la première.
Donc quand on les regarde simplement en disant profession retraitée, ça n'a pas de sens, je veux dire, à mon avis, pour moi. Par contre, ça a un sens d'avoir une pension de retraite, ça bien entendu, et c'est important. Les jeunes s'investissent dans les associations, mais assez peu, parce qu'ils font leur vie, ils tournent, ils passent, ils déménagent, ils ne s'insèrent pas encore complètement à leur âge, c'est normal, dans un milieu. Et donc on a du mal à capter toute leur force, tout leur potentiel d'activité et le mettre au service de tout le monde, de la vie en collectivité. Et puis une dernière chose, on a des conseils de quartier, c'est aussi, ça dépend d'une loi, qui sont des regroupements d'habitants dans toutes les communes, et pour lesquels les mairies donnent un budget d'investissement et un budget de fonctionnement, et ils doivent porter des projets que la collectivité ne fait pas, mais qui sont pour le bien de tout le monde. Et bien en fait, on s'aperçoit là par contre qu'il n'y a que les gens qui ont passé 50 ans qui s'y réunissent, et on n'arrive pas à voir la génération des jeunes parents, des adolescents et des gens, des actifs autres, quoi, je veux dire. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter nos réflexions du moment et comment on cherche, et il faudrait qu'on développe sans doute des arbres à palabres, peut-être dans le 10e arrondissement, mais ça sera avec plaisir. Bravo. Alors, nous allons, avant de nous restaurer, on a 30 minutes, vous allez vous restaurer parce qu'il faut reprendre les débats. Il y aura des séries de questions-réponses, il y aura des personnalités qui vont prendre la parole pour évidemment éclairer encore à la fois nos connaissances, nos espérances, et puis nos projets de société. Je vois qu'il y a, alors là, des magnifiques Africaines qui viennent, même avant même de prononcer leur nom, applaudissez-les. Elles sont magnifiques, ces Africaines. Même si certaines sont en retard, c'est pas grave. On les applaudit quand même. Alors, c'est Madame Tianquin Diallo et sa copine, bien sûr. Alors, et vous savez que les bonnes choses ont une fin. Il y a son Excellence l'ambassadeur qui a un programme chargé. Il nous a fait l'honneur d'être là depuis bientôt plus d'une heure, ce qui est une très, très très bonne chose. Et c'est un ambassadeur, comme il l'a dit, qui est là pour que la diaspora en Guinée rayonne. C'est un ambassadeur qui est là pour que nos doléances parviennent à la présidence de la République. C'est un ambassadeur qui est là pour que le président prenne en considération les projets de société que nous voulons en Guinée réaliser. Et c'est d'ailleurs Fulga qui veut faire un hôpital dans une ville, je crois que c'est à Kilia, à Conakry. Oui, Fulga propose de rénover un hôpital à Conakry. Et Dieu seul sait si on en a besoin. Mais oui, ça c'est tout le gars. Voilà, là aussi les anciens sont avec vous. Bon, on va donc passer. Voilà, pour le déjeuner, d'après ce que dit la présidente, participation 5 euros. Bon, je dis ça avec beaucoup d'humour. Maintenant, on va quand même passer la parole à son Excellence l'ambassadeur qui va dire quelques mots avant de se retirer. C'est juste vous remercier de nous avoir accueillis, vous encourager en espérant que cette journée marquera quelques progrès dans notre communauté et que ça donnera à réfléchir l'union, que cette union qui fait la force, que la Guinée c'est une barque, nous devons la tirer dans le même sens, en tirant dans le même sens on y arrivera. Merci pour tout et bon appétit. Merci beaucoup. Bon. Thank you.
La parole à la représentante de Madame la ministre.
nous avons l'honneur et la joie de vous annoncer parmi nous la présence de M. Jean-Jacob Bicep, député européen. Où est-il? Monsieur le député, venez à la tribune. Monsieur le député européen, venez à la tribune. Les femmes africaines. Et c'est pourquoi nous allons écouter M. Jean-Jacob Bicep, député européen, vous parler de la femme dans sa totalité. Eh oui, et vraiment, le fait qu'il soit venu du Parlement européen, ça nous honore. Il faudrait le véhiculer partout. Qu'un député européen était à la journée internationale de Fulga. Oui, Fulga. Monsieur le député, nous vous passons la parole. Je suis arrivé ce matin et je tenais à être présent pour vous témoigner de mon attention particulière à la question de la femme qui touche l'ensemble de la population mondiale. Je siège à la commission affaires étrangères à la sous-section des droits de l'homme. Donc je m'occupe beaucoup de questions touchant, puisque ma zone géographique est celle des régions en voie de développement, et je m'occupe beaucoup des droits de l'homme, et malheureusement, beaucoup dans la région sud-saharienne, des questions qui touchent à la question des femmes. Récemment, j'ai participé à un rapport sur la condition de la femme dans le Congo RDC et la question notamment de la maltraitance que subissent ces femmes en raison d'une guerre qui se déroule dans ces régions du monde. Et c'est par ce prisme bien malheureux qu'en tant que député européen, j'ai je dirais pas la chance, mais la lourde tâche de travailler sur ces questions qui touchent à la femme. J'aimerais commencer par vous faire une citation. Elle est datée, mais je crois que ça veut dire beaucoup. Malcolm X disait: si vous éduquez un homme, vous éduquez une famille. Si vous éduquez une femme, vous éduquez une nation. Et je crois que c'est le meilleur hommage que j'ai entendu, qu'on ait pu rendre aux femmes. Et l'histoire nous l'enseigne à tel point que, il n'y a pas longtemps, dans mes recherches, j'ai découvert un vieux texte écrit par David Lynch. Alors ça vous dit pareil, sûrement rien, mais Lynch, c'est le lyncher, vient de Lynch. Lynch était un planteur de la Caroline du Sud aux États-Unis et il a écrit un manuel de comment faire un esclave, make a slave. Et dans ce manuel de comment faire un esclave, il expliquait que pour créer un esclave, il fallait, la première des choses à faire, il fallait casser la femme africaine. Et si on ne cassait pas la femme africaine, on n'arriverait jamais à créer un esclave. Et lorsqu'on lit ce livre, qui est assez vieux, et de ce que dit David Lynch dans ce bouquin qu'il a écrit, c'était au XVIIe siècle, hein, qu'il a écrit, et on se rend compte de l'histoire des femmes, notamment des femmes africaines, et l'histoire de la résistance de ces femmes à travers l'histoire. Moi, je veux rendre hommage à toutes celles qui ont permis que nous soyons ici, là, aujourd'hui, en train de défendre les valeurs que nous défendons. Il y a des femmes qui ont, dans l'histoire, compté, marqué, porté au plus haut les couleurs de l'humanité. Je parlais de Rosa Parks, un tout petit bout de femme qui, un jour, dans un bus, dit non. Un simple non. Et ce non va provoquer un séisme. Et ce non sera le début de la fin de la ségrégation aux États-Unis. Un tout petit bout de femme a fait changer la face de l'histoire. Et ça, c'est des choses qui doivent
toutes celles qui militent aujourd'hui dans le monde, pourquoi les choses changent, doivent savoir que un jour, il suffit de dire non. Un jour, il suffit de se lever et de poursuivre un combat. Et ce combat peut arriver à aboutir sur de grandes choses. La mulâtresse Solitude en Guadeloupe fait partie de ces grandes femmes qui se sont battues pour qu'on ne rétablisse pas l'esclavage en 1794, alors qu'elle avait été abolie. Elle a été capturée vivante, enceinte, décapitée, et on a promené sa tête sur l'île durant plusieurs jours afin de décourager tous ceux qui voulaient se soulever. Mais ça n'a pas empêché que d'autres mulâtresses Solitude se lèvent et poursuivent le combat. Myriam Makeba, en Afrique du Sud, a mené un combat extraordinaire contre l'apartheid. Je veux dire que toutes ces femmes, nous sommes leurs héritiers, vous, les femmes d'aujourd'hui, comme nous, les hommes d'aujourd'hui. Parce que si ces femmes ne s'étaient pas levées, parce que si ces femmes n'avaient pas été au combat, même nous, les hommes politiques, qui sont issus de ces peuples et de cette population, nous n'aurions pas la force que nous avons aujourd'hui. Nous avons puisé nos forces en vous, mesdames. Nous avons puisé nos forces en vous. Et si nous sommes là, c'est parce que vous nous avez fait. Et nous vous devons non seulement une reconnaissance, mais nous nous devons aussi de vous accompagner au jour le jour dans les combats dur de ce début de 21e siècle où on voit une société complètement déshumanisée, où la perte de valeur de ce qui est fondamental et essentiel est en train d'entraîner cette société dans une spirale dont on ne sait pas où ça aboutira. Là, les femmes ne perdent jamais, ma grand-mère me l'a enseigné, le sens d'une certaine réalité, d'un certain pragmatisme. On a un modèle économique aujourd'hui qui a oublié ce que c'était que l'homme. L'homme n'est plus au centre du système économique aujourd'hui. Le modèle économique qui a été créé et qui fonctionne tel que l'a voulu le monde occidental aujourd'hui est un modèle qui broie non seulement la famille, mais qui broie aussi les valeurs auxquelles nous croyons, les valeurs auxquelles vous croyez, chaque fois que vous éduquez votre enfant, vous ne l'éduquez pas pour qu'il se retrouve dans un système complètement fou, puisque le système tel qu'il est aujourd'hui, où c'est la rentabilité et le profit à tout prix, l'humain n'est plus au centre des préoccupations primordiales. Je vous invite, vous, mesdames, c'était hier la journée internationale de la femme, mais la journée internationale de la femme, excusez-moi, c'est tous les jours. C'est tous les jours et je veux vous rendre hommage pour ce combat de tous les jours. Chaque fois que vous éduquez votre enfant, ben c'est un combat de tous les jours. Et c'est ce combat de tous les jours que je vous invite à poursuivre. Et je suis particulièrement fier aujourd'hui, cet après-midi, d'être là avec vous. Bravo! Applaudissez le député européen. Magnifique! Alors là, transmettez aux Européens et surtout aux députés, aux élus européens, que la femme africaine a besoin de leur concours. Les investissements, dites ça aux Européens, dites ça à leurs élus, que Fulga veut par exemple faire un hôpital à Conakry, rénover l'hôpital, que Madame Maribor, qui est une créatrice, qui invente tous les jours, qui crée, et qui s'occupe de la culture africaine du côté des masses, a besoin aussi d'être soutenu. Que Guinée 58, qui est un site qui commence à briller, j'espère que Guinée 58 va envoyer au niveau national et international la bonne information, en disant, voilà, il y avait le député européen, il y avait Marie-Laure, évidemment, il y a la représentante de notre ministre. Et oui, il y a un autre élu, comment il s'appelle ? Hélène Duvernay. Madame, on vous applaudit, où est-ce qu'elle est ? Madame Hélène Duvernay, qui a bien parlé tout à l'heure, on vous applaudit, madame ! Eh oui, alors je salue donc tous les médias qui sont là, les photographes,
essayer d'envoyer la bonne image de Fulgaï et de la femme africaine, et à travers la femme africaine, la femme européenne aussi. Parce que, oui, on salue les femmes européennes. Vous savez, les Simone de Beauvoir ont été des pionnières. Eh oui, Simone de Beauvoir s'est toujours battue pour que la femme soit respectée. Donc, la femme africaine est liée éternellement à la femme européenne. Donc, c'est le même combat. Et puis, nous saluons une Sénégalo-Guinéenne, mais c'est beaucoup plus, elle est plus sénégalaise que guinéenne, mais ça ne fait rien. Toutou Ndiaye, on l'applaudit. Levez-vous, madame Toutou Ndiaye. Eh bien, voilà. Madame Toutou Ndiaye, levez-vous. Non, vous êtes très belle. Voilà. Madame Émilie, la sympathique Émilie, vice-présidente. Oh là là, étoile. Alors là, on ne peut pas dire. La voilà, l'étoile en personne. La voilà rayonnante, la voilà brillante. Émilie, la sacrée Émilie. Là, on l'a présentée à Jean-Marie ce matin. Elle est encore là, on peut l'applaudir une fois de plus. Bravo Jean-Marie, levez-vous. Gracieux, non. Sainte Marie, levez-vous. Sainte Marie, Mère de Dieu. La voilà, vous êtes belle. Bon, alors mes chers amis, nous allons passer la parole à la représentante de notre ministre. Notre sympathique ministre, notre efficace ministre, malheureusement, a été empêchée. Elle n'est pas venue. Bien sûr, la dame qui la représente est une femme de bas qui s'est toujours battue, que vous connaissez déjà suffisamment dans les mouvements associatifs. Et c'est parce que Madame la ministre a totalement confiance en elle. Madame la ministre a dit, vous allez lire le message que j'aurais moi-même lu si j'étais là. Et je sais que le message sera consistant. Et je sais que le message sera lumineux. Et je sais que si elle n'est pas empêchée l'année prochaine, si Madame la ministre n'est pas empêchée, elle nous fera le plaisir elle-même d'être ici et de prendre la parole parce que la femme guinéenne reste l'avenir de la Guinée. Et ce n'est pas de la fanfaronnade. Quand je dis que je souhaite qu'une femme soit la présidente de la Guinée, je me tiens et je le dirai à Conakry. Je vais le dire à la baie. Je vais le dire à Constant. Oui, il faut qu'une femme soit présidente de la Guinée. Pour consolider l'unité nationale, pour mieux élever nos enfants. Ça sera fait. Madame, avec plaisir et avec honneur, on vous passe la parole. Merci. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom de Madame Chérif Nantou Konaté, ministre d'État à la présidence de la République de Guinée, que j'ai l'immense honneur de représenter à cette manifestation, de vous exprimer toute sa fierté, sa joie d'avoir été sollicité par FUTCA. Et vous exprimer également sa déception, comme l'a dit tout à l'heure Lansana Camara, qu'elle ne soit pas parmi vous aujourd'hui. Elle le regrette, mais elle promet que l'année prochaine, Inch'Allah, elle sera présente. Le 8 mars, le monde entier a célébré la Journée internationale des droits de la femme. À l'instar de nos sœurs qui sont au pays, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le point de notre situation, dégager le chemin de notre devenir. Au prime abord, qui sommes-nous? Pour la plupart d'entre nous, nous avons été témoins quand nous étions petites de la lutte quotidienne et courageuse de nos mères pour affronter les problèmes de leur existence. N'ayant pas fréquenté l'école moderne, elles n'avaient pour arme que leur courage et leur détermination de se tenir debout face à leur destin. Leur métier, elles étaient cultivatrices, elles exerçaient dans l'artisanat, le petit commerce de détail, informelle. Comme vents et marées, elles ont participé aux côtés de leur mari à la vie matérielle et morale de la famille. Quels que soient les aléas de la vie, elles n'ont jamais baissé le bras.
Elles constituent nos premiers modèles d'épouses et de mères. Le deuxième groupe est constitué de femmes lettrées qui ont eu la chance d'aller à l'école et d'apprendre un métier. Elles sont fonctionnaires, employées, rarement femmes politiques et femmes d'affaires. Quant à nous, femmes de la diaspora, la diversité de nos situations, la recherche de notre pain quotidien, nous éloignant souvent des réalités du pays, il nous faut déployer beaucoup d'efforts et avoir un sursaut de conscience pour nous mettre au diapason de la vie du pays. À cela, il faut ajouter un devoir impérieux qui s'impose à nous, qui sommes expatriés. C'est celui de donner à nos enfants une éducation qui les prépare à ne pas être des étrangers une fois de retour au pays. Un tel travail n'est pas à la portée d'un seul individu ou d'une seule famille. C'est par les efforts conjugués d'un groupe organisé et motivé que nous pouvons nous mettre à l'abri de la perte des repères de notre culture et de la dépersonnalisation. Il nous appartient, par une prise de conscience nécessaire, de faire de notre situation d'expatriés un tremplin vers le progrès et la prospérité. S'il est vrai qu'il n'y a pas de voyage innocent, il nous reste à transformer notre séjour à l'étranger en voyage d'études, en école de formation et de transformation. Chères sœurs, mesdames et messieurs, à l'occasion de la journée de la femme, rendons grâce à toutes celles qui ont lutté pour donner une prospérité au genre féminin qui ne peut que profiter à l'ensemble du genre humain. Mais je ne saurais cependant terminer mon intervention sans louer la persévérance et la détermination de notre sœur, Madame Si Aissatou et son bureau, qui se sont dépensés sans compter pour que cette rencontre puisse se tenir. Vive la femme, vive le progrès, je vous remercie. Bravo, 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 bravo. La voilà, brillante et rayonnante, encore une autre étoile. Alors vous avez bien vu, je savais que le message de Madame la ministre sera un très bon message. Je pense que l'année prochaine, elle fera tout pour être là, parce que dans l'éducation de nos jeunes actuellement, il nous faut des ministres comme elle. L'éducation qui a été plus ou moins, puisqu'elle a été même ministre. Alors, Madame Mariam Baldé, qui va nous faire un excellent témoignage sur Madame Boileau, la femme patriote qui a été malheureusement assassinée par la mafia guinéenne à Conakry. Il est tout à fait normal qu'une femme qui s'est sacrifiée pour la bonne cause trouve sa place parmi nous aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la femme. On vous applaudit, madame. On vous applaudit. Madame Boileau était la directrice nationale du Trésor public de Guinée. Elle a rêvé d'une nouvelle Guinée, mais elle n'a pas fait que rêver. Elle a donné des ailes à son rêve afin que son pays décolle. Un corps est perdu. Elle s'est donnée à son travail, un travail qui était devenu une mission. Madame Boileau était la directrice nationale du Trésor public de Guinée. Elle avait démasqué des prévaricateurs et cherché à mettre fin aux pratiques de ceux qui trouvent normal de détourner les deniers de l'État. Madame Aissatou Boileau était la directrice nationale du Trésor public de Guinée. Elle était incorruptible. Elle a été assassinée par balle. En lien avec la journée de la femme, le thème transmission du savoir et valeurs familiales me semble parfaitement collé à la figure de Madame Aissatou Boileau.
du berger, c'est le mouvement. Les personnes qui ont connu Madame Aissatou Boirou savent qu'elle était une grande voyageuse. C'était une femme du monde qui vivait avec son temps. Pragmatique et aimant la vie, le voyage était pour elle l'occasion de trouver des marchés, retrouver des personnes aimées, lier des amitiés, changer d'air, se faire plaisir. Le voyage semblait être inscrit dans ses gènes. Elle a travaillé dur et gagné chaque sou à la sueur de son front. C'était aussi pour pouvoir voyager qu'elle a travaillé aussi dur. Elle a pu offrir à ses enfants les voyages qui allaient leur permettre d'étudier dans de bonnes écoles, mais aussi s'inscrire dans l'école de la vie. Ayant elle-même quitté tôt la Guinée pour faire une partie de ses études à Dakar, elle avait conscience de l'importance de la formation hors du cocon familial. Si elle savait gâter ses enfants, elle veillait à ce qu'ils ne soient pas des enfants gâtés. Elle faisait tout pour qu'ils puissent aborder la vie avec ses aspérités. Elle faisait tout pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Très tôt, Madame Aissatou Boirou a été à l'école de la vie. De voyage en voyage, elle gagnait cette richesse intérieure qui finalement est le véritable progrès. Chaque fois que je la revoyais, j'avais le sentiment qu'elle était un peu plus grande, cette grandeur qui rend humble. De nos échanges, j'ai retenu la nécessité de rester simple, quel que soit son rang. Madame Aissatou Boirou était un dosage de tradition et de modernité, de classe et de simplicité. Elle avait l'esprit ouvert et une extraordinaire faculté d'adaptation. Pour assurer l'homme qui gênait de ne pas lui offrir un certain confort, elle disait « Je suis tout terrain ». Dans le palace le plus chic ou dans le village le plus pauvre, elle était la même dame, pleine d'humanité. Elle s'attirait la sympathie des nantis et des plus humbles. Cette grande voyageuse savait écouter et observer. Comme tout bon berger, elle était attentive et avait l'œil. De près ou de loin, Madame Aissatou Boirou veillait sur ses enfants, son mari, sa famille, ses amis, son pays. Avec un sens élevé des responsabilités, elle s'intéressait aux besoins des uns et des autres, trouvait les mots pour alléger les souffrances, trouvait des solutions pour régler des problèmes. Entremêlant empathie et rigueur, amour et autorité, elle s'était imposée dans le cadre familial et dans le cadre professionnel comme tuteur qui aide à grandir en restant droit. Pour son poste de directrice du Trésor public de Guinée, elle n'avait fait aucune démarche. C'est la compétence, le sérieux et l'intégrité dont elle avait fait montre pendant toute sa carrière qui avait motivé sa nomination. Elle avait pris la pleine mesure de la charge qui lui avait été confiée et, pour elle, il n'était pas question de ne pas s'en montrer digne. Le dimanche, elle faisait de la marche avec un groupe d'amis. Les autres jours, elle travaillait tard, elle travaillait dur pour servir son pays. Et parce qu'elle travaillait consciencieusement, et parce qu'elle avait l'œil du berger, elle avait décelé les incohérences qui entachaient certains documents, mis le doigt sur des dysfonctionnements et démasquer des cadres qui se remplissaient les poches avec l'argent du trésor public. Madame Aissatou Boirou s'attelait à séparer le bon gré de l'ivraie, car elle savait combien une gestion financière propre
pouvez, sur le plan national et international, être bénéfique à la Guinée. Elle veillait et visait l'avenir. Elle veillait et ouvrait un chemin vers un voyage plein d'espérance. Madame Aissatou Boiro s'était détachée du troupeau et élevée au-delà de la bête. Ici, bien entendu, le troupeau ou la bête n'est que la métaphore d'un conformisme qui aveugle, d'une mimésis qui abâtardit, d'une inertie qui subordonne, bref, d'un instinct qui devient siège de la gloutonnerie et de la cupidité. Tel un berger, Madame Aissatou Boiro tentait de mener le troupeau non pas vers une nourriture qui dilate le corps et désagrège les valeurs morales, mais plutôt vers une nourriture qui invite à la retenue et ennoblit l'homme. N'est-ce pas Erasme qui disait « L'homme ne naît pas homme, il le devient ». Le chemin que Madame Aissatou Boiro ouvrait était celui où l'esprit a pris le dessus sur le ventre. La voix du berger paraissait trop ardue. Le berger a été assassiné. Certains a été d'abord menacés. Certains brandissaient l'arme de pratiques occultes, d'autres l'arme de pratiques mafieuses. Imperturbable, le berger rassurait ses troupes et continuait sa marche. Un soir, alors qu'il rentrait d'une longue journée de travail, les bêtes ont coupé la route du berger et l'ont assassiné. Le sang du berger a coulé. Madame Boiro était plus belle que jamais. On ne mesure pas l'étendue de la bonté de notre mère, confiera l'un de ses enfants. Éprise de justice et de paix, cette dame était un don extraordinaire pour créer du lien. De façon naturelle, elle construisait des ponts entre les hommes, entre les pays. Elle était joyeuse et pleine de sagesse. Elle avait la faculté de faire comme si elle n'avait rien vu, rien entendu, face à des personnes qu'elle savait malveillantes. Elle ne voulait pas s'alourdir des pesanteurs, de la rancœur ou de la rancune. Elle avançait. Elle n'avait ni le temps de la médisance, ni le temps de la vengeance. Son temps à elle, c'était celui du travail, de la solidarité, de l'amitié, de la famille. Elle était habitée par la nécessité de se placer au-delà du mesquin et de progresser. Elle veillait pour ne pas s'affaler sur ses acquis, ne pas s'endormir sur ses lauriers. Sans cesse, cette voyageuse essayait d'ouvrir le champ des possibles. La vie est un voyage. L'éducation est le meilleur des viatiques. Madame Aissatou Boiro a mené ses enfants à bon port. À ceux-là et au monde, elle a donné le plus beau des héritages, la plus belle des transmissions, force morale et générosité. L'Afrique et le monde peuvent être fiers de cette dame qui avait ouvert une voie pour mener des hommes vers la terre fertile de la probité, de la dignité. Pour nous qui poursuivons le voyage ici-bas, espérons que le sang du berger n'aura pas seulement servi à abreuver la soif inextinguible des hyènes qui l'ont assassiné. Telle l'étoile du berger, qui brille avec élégance et discrétion dans le ciel du matin et du soir, espérons que la flamme de son sacrifice sera entretenue afin que, même loin, Madame Aissatou Boiro continue de guider le troupeau. Voilà, même les ancêtres ont entendu le message. Eh bien, nous ferons tout pour qu'il y ait des rues Aissatou Boiro. Nous ferons tout pour qu'il y ait des écoles Aissatou Boiro. Nous ferons tout. Tout. Parce que ceux qui meurent pour notre pays méritent en tout cas de passer à la postérité. Donc, là où elle est, qu'elle sache qu'à l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous avons pris l'engagement de dire ça au gouvernement guinéen. Nous voulons des rues Aissatou Boiro, nous voulons des écoles Aissatou Boiro, nous voulons des dispensaires Aissatou Boiro. Avant de passer la parole à Madame Anne-Marie Richard, présidente de Femmes du Monde, où est-ce qu'elle est d'abord, qu'on l'applaudisse. Présidente de Femmes du Monde, je salue
la présence de beaucoup de belles femmes qui viennent d'arriver. Mesdames qui venaient d'arriver là, les belles femmes là, levez-vous qu'on vous applaudisse. Toutes les belles femmes qui sont venues en retard. Voilà. Alors, on ne vous met pas en concurrence, on sait que vous êtes des génies. Allez-y, madame. Ben écoutez, d'abord, je vous suis très reconnaissante de m'avoir donc invitée, et c'est grâce à Martine Thal, que j'ai donc la chance de rencontrer au cours du Festival de la Plume Noire, qui a été finalement un instrument de rencontre très efficace. Alors, je suis un petit peu émue de me présenter en tant que présidente de l'association Femmes Monde, comme si on était capable de rassembler effectivement les femmes du monde entier. Alors, c'est une appellation qui peut vous paraître effectivement un petit peu prétentieuse, bon, et une appellation que nous essayons quand même de respecter. Alors, tout simplement, eh bien, c'est une association qui a été fondée par moi-même et par une amie qui s'appelle Georgiana Colville, et qui, elle, a fait toute sa carrière aux USA. Moi, je suis restée à Paris. Mais notre passion commune, c'est effectivement d'ouvrir, les portraits de femmes, la présence des femmes, donc, eh bien, avec évidemment une ambition déclarée, qui est de l'ouvrir au monde entier. Bon. Alors, l'objectif de notre association, c'est de montrer, tout simplement, et de promouvoir la présence actuelle des femmes dans le monde. Alors, vous remarquez que j'utilise un pluriel. Et je ne sais pas si, effectivement, il y a une petite controverse autour de journée de la femme ou de journée des femmes. Moi, personnellement, je trouve que la pluralité donne peut-être, évidemment, une image plus fidèle de ce que nous sommes à travers le monde. Il n'empêche que, en fréquentant de plus en plus de femmes diverses, je trouve que finalement l'appellation de la femme correspond bien à l'idée de cette unité d'intérêt, d'analyse que l'on peut faire pour notre condition. Et je vois un lien très profond, malgré les différences apparentes, entre effectivement la façon dont les femmes sont traitées partout dans le monde. Donc finalement, je trouve que la journée de la femme, c'est bien trouvé pour évoquer une profonde solidarité. Et deuxième point qui paraît aussi très important, c'est dans cette transmission, parce que c'est aujourd'hui votre thème, l'importance de la mère. L'importance pour tout ce qui peut être évidemment marche vers un progrès, c'est l'importance de l'éducation que les enfants peuvent avoir, et en particulier évidemment les garçons. Ça me paraît effectivement fondamental. Très souvent, les traditions qui enferment passent avant tout par les mères, par une intériorisation donc des interdits. Alors aujourd'hui, moi, le spectacle que j'ai sous les yeux, enfin, me satisfait d'autant plus que ça correspond à notre but, à notre association Femmes Monde, c'est-à-dire surtout pas une association exclusive. Nous organisons le troisième dimanche de chaque mois à la Coupole, et donc ceux qui veulent y venir, il y a un site qui s'appelle Femmes au pluriel, Monde au singulier, qui se tient femmesmonde.com. Donc vous pouvez à tout moment voir nos activités et nos invitations. Donc l'appellation, c'est Café des femmes à la Coupole, mais ce n'est surtout pas un café entre femmes. Et je crois que peut-être qu'effectivement ce qu'on qualifie de féminisme actuellement, enfin, tout au moins c'est mon idée, c'est notre idée à l'association, c'est un féminisme de mixité, et surtout pas d'exclusion. Voilà. Et donc, effectivement, je salue tous les discours que j'ai entendus autour de moi, que je trouve extraordinaires. Alors, nous avons déjà un partenariat avec le Québec.
Chaque année, donc, il y a des écrivaines québécoises qui viennent de l'Académie des Lettres du Québec. Alors, il est vrai que nous, de par notre métier, nous avons commencé surtout par des activités littéraires, artistiques, mais nous ouvrons le plus possible, c'est ce que nous allons faire cette année, notamment ce qu'on a déjà fait d'ailleurs l'an dernier, à d'autres domaines. Par exemple, il va y avoir une séance sur les mathématiques, hein, et les femmes, il y a une séance sur les femmes d'entreprise, sur les journalistes. Donc le mot d'ordre est l'ouverture à la fois mondiale, bon, et à divers domaines d'activité. Alors donc nous inaugurons cette année un partenariat avec les associations de femmes africaines, de femmes de France, hein, et nous en sommes effectivement tout à fait heureux. Vous savez comment s'écrit heureux maintenant, heureux, X et puis un trait d'union E et puis S à la fin, pardon, heureux avec, voilà, la mixité dont j'ai parlé. Alors on a un projet qui est de faire une manifestation en mai ou juin, hein, dont la date et le programme vont bientôt être fixés. Donc je vous invite à consulter notre site et à vous donner vos coordonnées si vous êtes intéressé par ce que nous faisons. Alors je vais terminer simplement sur un petit mot à propos de cette transmission orale, si j'ai bien compris, que vous célébrez en particulier aujourd'hui. Alors je suis persuadée, moi qui ai toujours fréquenté l'écrit, vous voyez, je ne peux pas me détacher d'un papier quand même, de la nécessité donc de la tradition orale, à l'origine de tous les grands textes, religieux entre autres, et de la civilisation. L'oral, pour moi, a une fonction de mémoire qui puise dans des sources anciennes qui nous dépassent. Je pense qu'on se soumet à une voix collective qui est venue du passé, qui nous soude et qui pourtant, hein, qui est un grand souffle de vie, hein, où se perpétuent les ancêtres, comme vous l'avez dit, mais en même temps c'est un souffle qui laisse place à la créativité, hein, à une intonation qui est une intonation personnelle, et c'est ça effectivement la transmission. Alors la tradition qui donne toute sa place à la voix, hein, au corps, à la présence de celui ou celle qui raconte, comme au théâtre. D'ailleurs, nous avons reçu en début d'année Muriel Mayette, qui est administratrice de la Comédie Française, et elle nous a parlé d'une façon extrêmement émouvante de ce que c'est que la voix du théâtre. C'est vraiment la présence du corps tout entier, de la personnalité de l'artiste sur scène. Et donc, pour moi, c'est bien le contrepoint absolument indispensable. Donc, la lecture, comme vous le savez, est devenue silencieuse. Voilà, je vous remercie. Voilà. Voilà, même les ancêtres saluent déjà ce qu'elle a dit. Donc, ça, c'est la présidente de l'association Femmes du Monde. On l'applaudit. Nous allons donner congé à monsieur le député européen, et je l'ai dit, il faut qu'il aille dire aux députés que nos associations féminines ont besoin d'être financées. Et nous comptons sur lui. Si au courant de l'an 2013, toutes les associations féminines étaient financées, on le remerciera. Alors, monsieur le député européen, nous vous remercions beaucoup. Transmettez le bon message. Voilà. Alors, en attendant, nous allons prendre une autre étoile. Ah, les étoiles, il y en a beaucoup ici. Alors, celle qui va venir prendre la parole, d'abord, je sais que Mme Kabasissé, Aja Kabasissé, évidemment, est une militante de très longue date, qu'elle a fait ses preuves dans la diaspora, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a choisie, c'est-à-dire que Mme la ministre a dit, comme elle a fait ses preuves dans la diaspora, c'est la raison pour laquelle, effectivement, elle est venue tenir ce beau discours. Maintenant, je vais inviter Nadine, qui vient venir à côté de moi, parce que je vous ai dit que c'est la journée arc-en-ciel, hein. Donc moi je suis la reine de l'improvisation, j'aime pas préparer les choses parce que je suis une grande fêtarde et je fête depuis la fête de la femme. C'est pour ça que j'ai demandé à l'ONU, à Ben Ki-moon, un siècle, parce qu'une journée c'est pas possible, il nous faut 100 ans. Je vais demander à Marlon
loup et le chat. Elle est sortie. Bon, et puis ADD de venir me rejoindre. Et puis j'ai une place pour Monsieur Marco Dungay. Docteur Dungay, vous êtes appelé à la tribune. On vous cède la tribune. Venez, M. Docteur Dungay. Vous êtes appelé. Je vais demander à vous chercher. Lydia Montero, demandez à Madame Lydia Montero de venir nous rejoindre. Par le temps et que nous devons libérer la salle à 17h et que si on veut prochainement.